T'as pourquoi ils ont des types, ils sont tarés. Les gars, on va en mettre quand tu vous donnes une chute, prenez un ballon sur terre. Ouais, ça fait peur. Et lui, je l'aime bien, c'est mon gars. Ah, t'es grave petit. Allez, les gars, ça va, ça. Vas-y, bats-toi, Riff. T'es pas content? Ouais, tu tues, c'est de ma faute. Bien reposé. Je me suis levé tôt. Je suis content de voir mon frère Bouzy, putain. Oh, t'as une shape, mon frère. C'est mieux. Ouais. Mais comme dit Prime, ça sert à rien d'être musclé pour faire de la boxe. En plus, j'ai vu, il s'est bien affûté et tout, machin. Lui aussi, il a joué le sérieux. Les muscles, ça gagne pas les combats. Oh, putain, je suis baisé. Ça va, tu vas bien? Aujourd'hui, match amical. Saïd demande express. Pas beaucoup d'actions montrées. Donc vous aurez peut-être une action ou deux, mais c'est tout. On essaye de préserver un petit peu de secret. Les gars, Saïd, il nous attend. Les gars, l'anniversaire de Michou, s'il vous plaît. Bonne année. Bonne année. Combien, vas-y, mec. 23, quel choix. 23. Mais je suis comme Julien Vitz. Ah, les gars, ça y est, ils nous attendent. Vous pouvez vous dépêcher. Parce que ça fait 3 ans. Bon anniversaire, mec. Merci, merde. Une passe normale, un point. Une passe entre les deux joueurs, deux points. Les passes, elles sont cumulées en 5 passages, ok? Si au premier ballon, tu fais 8 passes, et bah après, tu commences à 9, 10, 11, 12. Je vais jouer au foot. T'as rien compris. Les gars, let's go! Ok, premier ballon cramé, on part. 1, 2, 3, 4, 4. Ok, c'est bon! Bien joué! Ça vous double encore, entre les deux! Voilà. Alors combien de passes vous avez fait? Je crois qu'en comptant le tout, on doit être vers 20 à peu près. 3, 4, 40. Ils couraient après le ballon, ils avaient pas la balle, nous on faisait que tourner comme un. Ouais, c'est super. Après le ballon. Super. Hey, enfin, c'est pas des preuves, ils peuvent pas tenir. Bien joué, Roubaix. Super. Écarte. Bien joué. Ah oui. Dommage. Bien joué, Zach. Bien joué. Mais Kaboué en fait. Ça fait plaisir. Le striker. Le Zach. Ouais, t'entends. Vraiment, la dernière, je la mettais, c'était dans la légende. En plus, j'ai dit, prends ton temps. C'est la note, t'allais te paniquer. J'ai dit, prends ton temps. En plus, j'y ai cru, hein. C'était clair. Au début, je l'ai vu, il allait se précipiter. Tu vois, il allait faire une frappe de merde. Et là, il a juste pris son temps. Ouais, c'est dommage, un petit peu au-dessus. T'as beaucoup cavalé. Ah ouais. T'as été honnête. C'est que là, je suis à la forme. Mais en fait, le seul problème, c'est que ma cuisse, elle commence à tirer. Oh là là, il va encore chialer, frère. Ah ouais, comment il a tourné? Oh mon muscle, ma cuisse. Boumer, allons, Djanou, Tiki, Amine. Dilsi, on arrête aucun, c'est une pute. Ouais, c'est le meilleur tireur d'Instagram. T'as confiance. Allez, tire à gauche, je vous le fais. Et tout petit. Merci. Ah, la coupe à Beckham cramé. Il a la coupe déjà sur moi. Ah, mais Tiki, ma boy. T'as pas trouvé un but par Stambouli. Le pénalty de Rassi. Il a loupé. Elle est ici. Ah, si tu marques pas, t'enlèves le bonnet. Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé? Sincèrement. Sur toi ou sur l'équipe? Sur l'équipe. Sur l'équipe, j'ai pas aimé la première mi-temps. Ouais. Le mental, ça parlait mal, ça se déchirait pas et tout. Le cardio, vous avez du coffre, hein? Oh, c'était des athlètes en face, hein? C'est vrai. On avait 4 remplaçants et tout, ils en avaient plus. Donc
ça j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé ton doublé. Ça m'a fait ton doublé, j'ai bien aimé. Et le truc que j'ai bien aimé, c'est que tu loupes une grosse occasion. Ouais. Tu l'oublies, tu marques après. Alors qu'il y a beaucoup de gens. Ouais, ça reste dans la tête. Toi, non, toi, hein, une touche, première intention, t'as pas contrôlé bien, tu vois. Tiki sur le côté. Ouais, il fait du bien. Et mine de rien, sur le côté, Yass, ça fait du bien. Côté, voilà. Non, il a envoyé des efforts. Même défensivement et tout. Il a envoyé des efforts, rien à dire. Non, j'ai bien aimé. Puis ouais. On a donné du temps de jeu à tout le monde. Ouais, à un moment, la compo, c'est pas celle que j'aurais fait à la fin, tu vois. Mais tout le monde a joué un temps de jeu équitable. C'était pas forcément les joueurs. À un moment, on a joué en 6 avec Tiki et Boumé, ouais, tu vois. Ouais. Mais au moins, tout le monde a joué, on a travaillé. Bon. Donc c'était cool. T'es un chef. Allez, Zach. Bon. Voilà. Le doublé, hein. Elle fait du bien la confiance. Franchement, sans mentir, elle fait du bien la confiance. Ça fait plaisir, on a fini du coup le match amical. Vous avez pas pu le voir en entier, mais normal, on va préserver des choses. Vous avez pu voir quelques petites actions. On a vu certains de nos défauts. On va essayer de les corriger. J'ai confiance, franchement, au reste de l'équipe. On a pu voir, je pense, ce qui nous manquait aujourd'hui. Et voilà, non, franchement, ça fait plaisir. Il y a plus que quelques entraînements et direction Madrid. Et de toute manière, nous, on se revoit à l'entraînement la semaine prochaine. Ouais. La semaine dernière, j'ai fait les deux entraînements. Enfin, entraînement et match amical, et 3 séances de running. Donc je commence à avoir les jambes, les cuisses surtout, un peu dures, un peu fatiguées. Ouais. Et je sais qu'en général, massage et tout, ça permet de décoincer un peu le tout. Avant tu préfères faire un massage un peu chauffant avant. Ouais, voilà, exactement. Faire un peu de détente après. Voilà, exactement, t'as compris. Okay. Et Zach, mais sous, putain. Zach, il s'est massé. Il s'est massé, Zach. Sa hanche, là. Il s'est branlé. Et en fait, j'ai du mal sur les frappes, tu vois, à envoyer tout le corps, à laisser partir toute la jambe. Et en fait, si tu regardes, bon, la position est vraiment clin d'œil, mais en fait, hanche droite, regarde où est-ce que je vais. Hanche gauche, regarde où est-ce que je vais. J'arrive pas du tout à passer. J'arrive pas du tout à passer. Et en fait, il me l'a dit, le médecin, il m'a dit, genre, hanche droite, t'as pas un blocage, mais je suis moins flexible. J'ai regardé encore des vidéos des Espagnols là ce week-end. Là, ils ont ramené du lourd. 13 nouveaux. Ah oui, c'est 2/3 de nouveau en fait, par rapport à avant. Là, ils veulent vraiment gagner. Premier quart d'heure, ils seront à domicile, ils vont mettre de l'impact de baiser et tout. Faut qu'on passe le premier quart d'heure. Si on réussit à le passer, ça va aller. Allez, on se retrouve pour le début de l'entraînement. Je mets quoi, Saïd, comme quelle couleur? Je vais mettre un bleu. Ronaldo. Je sens le... Ah, ça sent de ouf, hein. Comment ça s'appelle déjà? Le baume du tigre. Le baume du tigre. Le baume du tigre, ça sent fort. Ah, c'est lui, là. Je sens le baume du tigre. Toi, tu l'as mis, là. Ouais, c'est focus. Ah ouais, putain, alors qu'il a son pantalon. Ok, donc exercice très simple. J'explique là, c'est le même. On travaille sur l'extérieur, ok? Donc vas-y, tonton, je te fais la passe. Tu fais un contrôle orienté. Tu la mets à bouger. Et on suit sa passe, ok? Allez-y, c'est parti. Allez, la boule. Reste à l'extérieur, ok? Je suis la passe, je vais vite au flow, je le retourne. À contrôle, une passe. 7, vous revenez les gars, vous faites du temps, vous revenez. Allez. Allez, Zach. Les plots, c'est comme un LNBF. Car ça que tu as dit contre la balle. C'est le cas. Et en fait, tu vas voir que dès que tu vas t'écarter, ça a tellement plus de faire la contrôle orientée. Ok, ouais, je comprends. Il y a la balle. Si je suis trop collé, ouais, si je suis trop collé, je vais orienter. La personne colle. Ouais. Dès que tu penses sur la balle, tu t'écartes de lui. Et là, j'ai t'écarté. Ok. Tu vas voir. Ça va être beaucoup plus simple d'orienter et d'accélérer. Les gars, regarde. Il a compris. Ça, c'est du conseil, il a raison. Ok, maintenant, c'est tout à une touche de balle, donc ça va se jouer en 1-2. Donc c'est un appel qui te rappelle, je la demande là, je fais la passe, et je fais une course vers l'avant. Tap. Ok, très bien, mets-lui dans la course, ok, super. Ok, très bien. Bien joué, tonton, l'appel là, il est bon. Ok, on rattrape. C'est bon, du coup. C'est bien. Il a raison. 10. Bien joué, encore 10 là-bas. 9. Eh ouais, l'équipe. Okay, top. Les bleus, vous avez perdu, ramassez les coupelles s'il vous plaît. Ça y est, les rouges aussi ou pas? Les gars, un petit point à corriger. Vous avez pas super bien fait dans l'exercice. On va montrer un exemple. Okay. Si moi je suis là, ok, je vais la mettre à Tiki et là c'est un défenseur. Est-ce que Tiki il est bien passé? Non, non, il m'appelle. Ok. Il est trop pâle. C'est ce que tu faisais pas super bien. Toi, tu restais là et peu importe où ton mec tournait, tu bougeais pas, tu vois. Si ton mec il était là, faut que tu te décales. Tu comprends ce que tu veux dire ou pas? Ça, c'est un thème qu'on va travailler aujourd'hui. Amine, écoute. Non, mais j'écoutais, mais j'étais choqué qu'il fasse ça. On va travailler ça, les gars. Ça s'appelle voir et être vu, ok? S'il y a un défenseur devant vous, faut que vous soyez visible, ok? Voir et être vu. C'est ce qu'on va travailler. Vous allez laisser les chasubles, on va faire 3 équipes. C'est un exo qu'on avait déjà fait, vous l'aviez super bien fait. Une équipe qui chasse au milieu et les deux autres autour. Vous en souvenez? Ouais. Tu t'en souviens? Hein? Tu t'en souviens? Du jeu? Ouais, je me souviens, je prends la balle, je fais une passe au téléphone de Bouzy, il me le renvoie avec sa caméra frontale. Bouge.
Il me la remet et après c'est bon normalement. Je suis avec les défenseurs. Moi je suis avec Johnny Sins. Bah voilà, je suis avec Coach, je suis avec qui? Je suis avec toi. Je suis endormi. Je te jure, j'ai l'impression d'être dans mon lit là. Bah, peut-être que t'as fait un tournage juste avant. Bah ouais, c'est ça le problème. Bah ça dépend. Je suis mou. J'ai l'impression que je suis pas réveillé, je suis mou. Oh mon mollet. Ah mon mollet, la cuisse. Moi je suis pas bien réveillé. Mais lui il m'aime trop hein. Oui. Alors que c'est une salope. Oh, j'ai entendu. Mais lui, je l'aime bien. C'est mon gars. Un capitaine jaune, un capitaine rouge, un capitaine bleu. Vous allez faire Samoussa, vous. C'est ce que c'est ? Oui. Samoussa quoi ? Samoussa. 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 Ouais, les gars, Samoussa. Ah ! Samoussa. Allez. Reste au milieu. Reste au milieu. Les bleus au milieu. Désolé, les mecs. Au milieu. Attends, ça commence là. Bah ouais, allez dehors. Non, c'est lui qui a perdu. Ouais, et rouge. Ouais. Rouge au milieu. Rouge au milieu. Rouge au milieu. Posez une solution. Encore, tu l'as. Ouais. Ah, allez. Allez, c'est un joueur. 3, ouais. 4, 4. Bien joué. Ça joue. C'est qui? Ouais, bien joué, ça pousse. 6. Attends, attends. Dommage. 1, 2. Ouais. Ouais. 3. Ouais, je suis à bouton. 4. Ouais. 5. 6. Pour nous. Bien, je continue. Chef, tout cas, pourquoi il y a un joueur derrière qui prend deux snaps et qui passe sur le terrain avec eux? Qui? Là-bas, là, là-bas. Là-bas. SD, je l'avais zappé, SD. Mais tout le monde l'avait zappé. Non, pas moi. Tout le monde a dit, il manque Michou, il manque Yannou. Joker? Non. Attendez, attendez, monsieur, vous attendez à l'extérieur, s'il vous plaît. J'étais avec le kiné. Ça va ou quoi? On était avec le kiné. On était avec le kiné. Tu me sens pas? Ok, stop. Soufflez une minute. Je me rappelle les commentaires, faut être point des pieds. Vous avez raison. La hanche. La hanche, ça va très bien. Ça va très bien. Écartez-vous, jaune au milieu. Ah! Ok, on a le temps, on a la passe. C'est bien, c'est bien. Ils sont tarés. C'est des vrais tarés. Tu sais que le match là il est dans 5 jours. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils savent, ils savent pas parler espagnol. Donc les arbitres ils vont rien dire normalement. Amine. Ça va acheter? Non, non, sur le pied. Ah, mon pied! Fais ta gueule, toi! Ah, mon pied! Les gars! Vous avez pas le droit de faire 3 passes dans la même moitié de terrain. Dès qu'on a fait 3 passes là, on va voir rien. Dès que vous faisiez des passes dans ce sens latéral, la défense a été perdue. Je fais une passe, 2 passes, 3 passes. C'est le moment d'aller voir ailleurs. T'as Billy, tu vas bien? Le mieux. Ça fait bizarre, ça la barbe. Ouais, ça la barbe. J'ai 50 ans, ouais, on 15 t'a, ans. On t'a enlevé 10 ans là. Ouais, t'as. Bien joué, voilà. On a attiré, faut voir ailleurs, on a attiré, faut voir ailleurs. Très bien. Tiki, c'est bien, Tiki Bouzi, suis. Suis, Bouzi. Allez, come on, les gars. Ah ouais, c'est bon, là. Très bien. Très bien, Très bien, Jaune, très bien serré. Touché, ça joue, bien joué, Bouzi. Ok, on va travailler sur comment enchaîner rapidement dans la surface. Dans la surface, c'est l'endroit où sur le terrain vous avez le moins de temps. Donc ce que vous allez faire, vous allez avoir un ballon chacun en conduite de balle. Et moi, à un moment, je vais jeter un ballon et je vais nommer un joueur. Par exemple, je nomme Boumé. Et vous, vous devez tous empêcher Boumé de marquer. Ok. Les quatre. Donc Boumé, toi, faut que tu enchaînes très vite. Faut que tu regardes, t'as de la place à gauche, à droite. Est-ce que ça vient de là, ça vient de là? Ok. Donc tout le monde fait sa conduite de balle dans la surface. Elle fait des conduites de balle. Il me regarde, on dirait il veut m'enculer. Il m'a fait peur. Oui. Tiens, j'aime bien. Zach. Qui? Pas entendu. Oh, je vois ça. Zach, c'est là, c'est rouge. Yes. Bien joué. Zach. Super, Zach. Bon. Il a défendu, Amine. Amine, c'est un. Oui, ça c'est bien, putain. Et c'est... Non, bien joué, très bien. Yes. Oui, ça te tend grave à tirer. Bien joué. Amine. Enchaîne vite. Et non, on se ferme. Il s'enferme, c'est clair. Oui, c'est... Gardez le temps d'avance. Quand vous avez de l'avance sur votre défenseur, souvent on a le réflexe de l'attendre pour lui mettre un crochet. C'est une grosse erreur. Faut garder le temps d'avance, je suis devant, je mets mon corps en opposition. Soit je frappe, soit il fait une faute. Là c'est ce qu'on va travailler, ok? Yes, on va se faire des 1-2 toi et moi. Moi je suis sur la ligne blanche, toi tu es là. On va se faire des 1-2. Et moi je suis attaquant, au moment où je décide de partir, je pars et Yes tu défends sur moi. Ne faites pas l'erreur, je vais pas avoir ça. Hop, et après on joue un duel. Vous avez de l'avance, gardez le temps d'avance, ok? Ok, et au moment où je sens bien, je fais une bonne prise de balle. Ok, encore.
Oui, oui, Zach. Ah, faut finir, les gars, c'est un face-à-face, hein. Allez, du volume. Ok. Appliquez-vous, appliquez-vous. Quand tu sens que c'est le bon moment, tu vas... Oui, bien joué. Bien joué, Ali. Très bien. Bonne prise de balle, Zach. Allez, allez. Ah. Oui, fini. Bien joué. Oui, bien joué. J'arrive. Ok, c'est bien. Super prêt. Oui, Zach, oui, encore. Super. Bien joué. Il n'y a rien de compliqué à faire. Il faut juste vous mettre 2-3 quarts. Donc au moment où je sais que je veux le ballon, je me décolle. C'est quand vous êtes là, vous retournez, le pied qui est là, c'est votre pied qui est plus. Ça pousse, vous allez plus. Il n'y a pas de petit. Ah, ok, d'accord. Ouais. Vraiment, ce geste n'est pas difficile, hein, c'est juste ça. Oui, bien joué. C'est magnifique la frappe. Hop. Magnifique la frappe. J'aime bien, c'est rouge. Ça vient, Zach. Bon, les gars, le bilan là, c'est quoi? Vous en retenez quoi là? Faut tirer rapidement, faut jouer l'efficacité. Vous avez vu, je pense que vous avez frappé là, si on compte tous les exercices, peut-être dans 20-25 zones différentes dans la surface. Vous avez pas besoin de vous mettre sur votre pied. Si je peux frapper, je frappe. Allez, vous allez là-bas avec Lucas? Ah, là, je suis content, c'est un bon exercice. Ça fait un peu la mobilité, ça oui, permet d'en marquer un ou deux, d'en rater certains. Mais... C'est pas mal. T'as pas remarqué un truc chez Yes? Chez Yes? Ouais. J'ai remarqué tellement de trucs. Il a mieux tiré et mieux fini ses frappes là maintenant. Ouais. Pendant la vidéo, c'est vrai. C'est vrai que là, il était bon. Parce qu'il a moins la pression. Pendant la vidéo, ouais, il avait la pression. En fait, c'est un mec qui marche à la pression. Plus ouais. La pression, plus il est nul. C'est fait. Vrai que ça a rien à voir, ouais. Non, là, j'ai pas d'excuses, les gars. Je suis en retard. J'ai noté 15h, je suis con. Pas toi en retard. C'est passé quoi? Mauvais horaire? En fait, j'avais noté 15h, je sais pas pourquoi. Et du coup, là, j'avais des trucs à faire. J'ai essayé de finir plus tôt, mais j'ai pas réussi. Ils veulent te punir, hein, et j'ai accepté la punition. Ah, les bâtards. Vas-y, rouge. Bah, je compte. Tu rouge. Je... Quoi? Ouais. Non mais fais-moi faire des tours de terrain, mais enfin un cul rouge. Prendre un cul rouge. Ils ont voté à l'unanimité. Ouais, me check pas parce que toi t'as une vraie frappe toi. J'ai dit ça va mon frère. Ça va. Ça me semble dingue. Ouais, je pense pas. Non je mérite. C'est pas 15 de problème. Normalement j'encaisse mais. Je réfléchis à un truc. Fais une bonne séance et t'auras rien. Si la séance elle est moyenne tu finiras. Non, j'essaye le content. Tu ferais quoi à ma place? En vrai je mérite une punition, je comprends. Un cul rouge. Allez un cul rouge. Allez tout de suite. Tout de suite le cul rouge. Les gars, on va mettre un cul rouge à l'échou. Prenez un ballon chasseur. Oh ouais. Cul rouge à l'échou. Ça, c'est pour les retardataires. C'est honteux. C'est honteux, les retardataires. On va les allumer le cul. Vous voyez déjà les commentaires de l'extrême droite. Ouais, les islamo-gauchistes qui sont en train de rafale un vrai français. Je suis pas parti en vrai depuis un an. Putain, je retourne. Juste, j'ai trouvé tes messages un peu culottés dans le groupe. C'est mon avis personnel après, mais. Sur ta calvitie? Ouais. C'est parce que je sais ce que c'est que je peux parler. En vrai, pas moi aussi, elle est noire. Ouais, elle est sale. Hein. Mais lui non, mais moi, je rase. Lui, il a accepté, lui. Moi, j'ai accepté. Eux, ils vont tous les six mois en Turquie. Attends, il y a du content, là. Je l'avais vu. Allez, Michou. Ça fait peur. Oh non, non, non. Michou, on va lui allumer le cul. Ah, Amine aussi. Yannou, solidaire ou pas? Yannou. Allez les gars, à trois on allume. La première visée. Fini par là. Ah ouais, c'est bon, Charles. Thierry, t'arrêtes de la tête. Oh, c'est trop là. Arrête. Michou, mais SDM! Eh, je te loupe pas, toi! Je retiens! Oh, moi, j'ai envoyé un pointu, frère, ça a touché les nuages! Mais elle est là ou encore la balle? Ça vous tord le cul d'aller le chercher, celui qui l'a envoyé? Allez! Ah, les gars, je vous ai pas dit, c'est la Stéphanois! Retour, y'a que Zach, t'inquiète. Y'a que moi, frère. Qui s'entraîne pas? Il s'entraîne ou pas, Billy? Billy, tu t'entraînes ou pas, toi?
Sûr ? Ouais, ouais. Allez, les gars, approchez-vous, s'il vous plaît, on a pas beaucoup de temps. Pour info, l'entraînement finit pas à 17h. Hein. Ah ouais ? C'est marqué 14h, 17h, on s'entraîne pas 3h. Ah bon ? Bah oui. C'est là, c'est vers 16h15, 16h30. Ah merde. Les gars, là, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. On va faire des montées-descentes. Donc, ça va être des 3 contre 3. Il y aura terrain 1, terrain 2, terrain 3. Vous serez toujours avec le même trio, ok ? Donc on va mettre en place les terrains, on va vous montrer. L'idée c'est de se montrer, toujours voir et être vu. À 3 contre 3, si vous défendez pas, vous attaquez pas, ça se voit direct. Donc l'équipe qui a un joueur qui marche, elle va finir au terrain 3, ok? Y'a nous, quand on est chasse du p***, c'est pas le terrain. Y'a espace ouvert, vous êtes 6 équipes. Oh, Brooks! Oh, c'est vrai, voilà, c'est pas moi, j'ai jamais... Brooks et Bouzy sont dans une pièce. Quelqu'un a pété. Malheureusement, c'est pas jamais passé. Avec Arsène. La femme a... Non, arrête! Pas ici! La femme a Bouzy, elle va accoucher, tu penses qu'elle va faire un vlog? Ce gars, il va sortir comme as. Avec Yannou. Yes. Tout l'espace du terrain. Je suis content d'être avec vous. Ça, c'est la team. On peut pas perdre. Les mecs de Call of Duty. On peut pas perdre. Pensez à Twitos. D'ailleurs, Yannou, sur sa chaîne, il a sorti son premier vlog. Ça s'appelle JR Life. C'est de la patate, je l'ai regardé. Je suis content qu'il fasse du contenu. Ça fait longtemps qu'on lui conseille de le faire. Et il le fait. Il y a un lien dans la description, allez regarder. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez aussi. Et Brooks aussi, il a sorti, je crois qu'il a sorti des vidéos de préparation. Ouais, y'en a plein qui arrivent, y'en a 5 qui arrivent là. Voilà, Brooks et Brooks. Voilà, comme ça, vous voyez, on est de la même équipe, on se donne la force. Ah ouais, les gars, restez connectés, ça va. Cabinet de malade de Paul Le Kiné. Braquez toutes les caméras sur lui là. Viens, Lucas. Braquez toutes les caméras sur lui, les gars. Merci. Paul, cabinet, Chanceur-Marne. Cabinet Parc. Incroyable. Cabinet Parc à Chanceur-Marne. Voilà. Incroyable, regardez. Allez-y, les gars. Allez-y, les gars. Vas-y, chante. Grâce à lui, ça va mieux. Je peux enculer des caméras. Les gars. Oh, il y a 3 rouges sur un terrain, 3 jaunes, 3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges. Vous êtes 6 équipes de 3. Il n'y a rien de compliqué. Ici, c'est un 3 contre 3. L'objectif, stop ball. Boumé, si on arrive à stopper la balle ici, derrière la ligne, là, on marque un point. D'accord ? Vous m'avez compris ? On défend, c'est pas grave. Les rouges, vous faites la même chose. Vous faites un stop ball où ? Derrière. Est-ce que c'est compliqué ? Oui. Toi, tu cherches la merde, toi. Pourquoi ? Est-ce que c'est compliqué ? Oui. Il est grand. Non, mais non. Allez, en place, les gars. 1-0 ! Non, non, je suis là. Ouais, Zach. Ouais, vous mettez. Ouais, vous mettez. Oui. C'est bon. J'ai derrière. Oui. Oui, monsieur. Oui, allez, bien joué. Deux, on défend. Let's go boys. Je suis avec l'homme qui arrive en retard. Arrêtez. Ça y est, ça me colle à la peau, putain. Mon centreur favori. Moi qui ai essayé d'arriver à l'heure, de m'éloigner de cette image, parce que c'est vrai que pendant longtemps j'ai été vu comme quelqu'un de très retardataire. Malheureusement, je peux m'en vouloir qu'à moi-même aujourd'hui. Je suis arrivé en retard et j'ai l'impression que même si c'est la seule fois, ça va me porter préjudice. Mais écoutez, j'aurais fait de mon mieux, j'ai fait des efforts. Chaque jour, j'essaye d'être meilleur. Mentalité Kaizen, voilà. Attends, moi je veux une explication de pourquoi son crâne est plus dégarni que Zach. Il est allé 3 fois à la clinique. Il est pas plus dégarni que Zach. Pourquoi c'est ouais, mais pourquoi il y a un comparatif qui est possible entre Zach Nani et toi alors que t'es passé 3 fois? Zach, j'ai l'impression qu'il a plus de cheveux que moi alors qu'il en a moins. C'est noir. Je suis jamais en Turquie, moi j'ai rasé direct, frère. C'est qu'est-ce noir. Qui s'est passé, mon frère? T'as fait quoi ton crâne? Frérot, j'ai rasé au rasoir, ça a jamais repoussé. Toi, Zama, tu fais vue panoramique, mais. Il est fou. Ouais, ça filme. Ok.
Pourquoi tu joues comme Jamel Debbouze? Bon, si tu veux qu'on commence à vanner, on peut, hein. Il y a Saïd, il m'a donné un coaching qu'on va essayer d'appliquer. Là, c'est mon but, même si l'espace n'est pas hyper grand. Au démarrage, je pense qu'on l'a tous vu, je suis un peu lent. Une fois lancé, ça va. Pas une bête de vitesse, mais ça va. Et donc, en fait, il m'a dit, c'est une astuce qu'on voit dans les trucs de grands attaquants. Au lieu d'être de trois quarts et de faire des appels comme ça, ou le temps d'être à donf, ça va prendre un peu de temps. Il m'a conseillé de faire des appels par moment pour varier comme ça. Ou en gros, dès que je sens que ça peut venir, tu pars un peu de côté et dès que tu veux la passe là, tu accélères de côté. Voilà. Donc comme ça au lieu de comme ça. T'attends, j'attends et j'envoie. Et dès que je peux, je suis en position de t'arrêter. Bien sûr, y'a pas de soucis. T'as confiance sur ton équipe là? Oui. Ouais, j'ai tout le temps confiance, on va gagner. On a le meilleur goal. Oh là là, lui il est trop gêné, lui-même trop. Le meilleur goal. Ton seul. C'est parti, Amine. T'es grave petit. Ah, j'ai trop la haine. Les gars, comme je vous disais l'autre fois, on prend notre temps. Bien joué. J'ai remarqué un truc. Ouais. Tout à l'heure, la partie Zach, Yass, Amine, SD. Ouais. Tout à l'heure, on a fait un exercice avec les 5. Il y en a aucun qui le fait. Il fera pas là, je voulais dire. Il y en a aucun qui le fait. Il est là, il attend et tout. Allez, balle bleue. Vas-y, Zach. C'est bon, allez, ça joue. Les gars, revenez. Allez. Venez, les gars. Amine, ton placement il est royal, bien joué. C'est très bien, c'est cet état d'esprit qu'il faut. Si vous avez ça sur un entraînement où il pleut, on n'a pas fatigué, on s'entraîne depuis 2h40, contre l'Espagne, ça va être top les gars. C'est exactement ça, ok? Là, il y a égalité, séance de péno. Allez, vous tirez tous. On va pas faire 5 tireurs, tout le monde tire. Et on va voir l'équipe gagnante. Lucarne. Péno? T'inquiète, laisse brancher mon pote, je vais te régaler. Bien joué. Tu vas en vrai. Bien, ouais. Oh. Tout le monde va faire. Albuena! Allez, bien joué. 1-1. Le chat! C'est bon ça. C'est pas fini, dans la tête. Je le garde au montage, Amine. Merci à nous. Je le garde au montage, on est d'accord, toi aussi. Frérot, je suis le seul qui prend des risques. Vous faites des tirs à ras de terre, poteau. T'as tiré en l'air, c'est quoi le rapport de risque? Faire des tirs. Ma mère 5, je les mets des 5, si je tire comme moi. Rivenzi, le tir médiéval. Attends. Super, Anton! Plat du pied, sécurité! La sécuridad! Sécuridad! Il sait qu'il va tirer au-dessus! Bon, nous, ça y est! C'est dans l'équipe là! Tu manques de respect là! Tu rouges, tu manques de respect là! SDM, il va tirer tordu! C'est sécuridad! C'est que rouge dans le ciel! Oh, soutien! Quand on a gagné, frère, t'es mal étiré! Pointard! Ouais. Ouais, pile. Ok. Le pire, c'est qu'il rate. Il est saignant. Ça me rappelle Adriano. Allez, l'araignée est égaliste s'il rate. Oui. Égalité. Il y aura du tout rouge. C'est
T'es pas content? Bah, on va tuer. Ouais, il était incroyable. Le bruit, il était sourd. Oh, le bruit, il était strident. Ah, tu sais où je vais tirer? À ton avis, je vais tirer où? Yas, pitié. On a fait tout un travail d'égalisation pour qu'il aille chier sur ça. Yas, qu'est-ce que tu as fait? T'as voulu l'allumer à vous? Bah oui, j'ai voulu l'allumer, gros. Allez, vous y allez. Les chaussures, un peu les prailles. Allez, vas-y. C'est fini, hein, c'est pas fini. Il n'y a pas encore un tireur après? Non les gars, c'est tiré d'avance. Ah, merde. Mais c'est tiré Zach. Mais on laisse tirer Zach. Je tire quand même. Il a déjà tiré Zach. Non, j'ai pas tiré. De toute façon, je vais le rater. Donc, t'es prêt? J'aime bien, tu sais où je tire ou pas? Oh mon dieu! Filme-moi, c'est moi! Même dans le cadre de Tigre, il a tiré sur le Paris là-bas, mais regarde! Bien joué, Zach! La photo des gagnants, s'il vous plaît! Allez, orange! Dans un cadre un petit peu plus solennel, ça me permet de vous dire merci. Les gars, c'est la fin de cette série. 4 épisodes sur les entraînements France-Espagne. Comme vous avez pu le voir, on a eu plein de trucs à faire, des exercices, il y a eu de la progression, on a essayé vraiment de faire au mieux. Merci pour tous les messages, pour tous les conseils. Sincèrement, j'ai lu beaucoup de messages. On a essayé d'appliquer le maximum de choses apportées par Saïd, apportées par Martav, apportées par tout l'encadrement que vous avez vu, même si des fois on déconne et tout machin. Ça fait partie un peu du jeu, mais au global, on a un bon groupe avec des bonnes personnes et des gars qui essayent de se la donner. Je suis content de ça. Ça fait toujours vraiment plaisir de vivre cette aventure et surtout d'être suivi pour ça. Merci énormément également pour tous les retours que vous m'avez fait, que ce soit sur les vidéos, sur des choses que je faisais bien ou mal. Ça m'a fait plaisir et ça fait du bien en fait de pouvoir progresser en entendant aussi des critiques. On a essayé d'appliquer ça, voilà, être un petit peu plus sur la pointe des pieds, un peu plus proactif, les appels, la technique de frappe, tout ce que vous voulez. Et on espère que ça va payer le jour J. Dédicace à tous ceux qui vont faire le déplacement pour venir nous soutenir sur place. Au milieu de dizaines de milliers d'Espagnols, ce sera pas simple. Va falloir essayer de survivre, notamment sur le début de match où je pense qu'ils vont être très très actifs. J'ai entendu tout à l'heure, ils ont changé leur équipe aux 2/3, donc ce sera vraiment quasiment tout nouveau. Mais de porter les couleurs de la sélection des streamers français du mieux qu'on peut, je remercie Amine, je vous remercie vous, les frères, d'avoir suivi. On se dit à samedi. Il n'y aura pas de dernier épisode en ce qui me concerne. Ça se termine là. Et après, je vous renvoie aussi sur les différentes vidéos faites par les autres frérots. Si vous voulez, il y a des POV différentes et des choses qui sont exclusives chez chacun. Bouzy, Yas qui a fait une vidéo également un petit peu concept dans laquelle j'ai participé. Saïd, Yanou, Boumé, bref, tout le monde. Franchement, c'est carré. C'est un bon groupe. Merci, merci, merci. On se dit à samedi, que ce soit sur le stream ou alors sur le terrain. On espère marquer, on espère gagner. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.